Alexandra ? Oui. Qu'est-ce que tu fais derrière ces types ? Je danse. Et tu as toujours ces gardes du corps autour de toi ? Une idée de mon père. Il est devenu légèrement parano. Est-ce que tu danserais avec moi ? Non. Bon allez, on est gentil, on s'écarte, agent secret de niveau 2, allez hop ! Pourquoi ? Je suis une danseuse de ballet. Vous parlez, madame, d'une coïncidence. Je suis danseur, moi aussi. Je m'incline. Tu es un homme qui a beaucoup de talent. Vous me flattez, très cher. On va commencer. Vous pouvez vous asseoir. Je dois m'en aller. Adieu. Mesdames, messieurs, le président des États-Unis. Merci. Je suis fier de l'OSS ainsi que de la division des Spy Kids récemment créée. Hier, ils ont réalisé une prouesse hors pair. Gary et Gertie Giggles ont non seulement sauvé ma fille... Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est malade, c'est moi qui l'ai sauvé ! Mais aussi, et c'est important, pour ne pas dire le plus important, ils ont retrouvé le transmuteur, un concentré de nouvelles technologies que ma fille Alexandra avait incidemment pris dans mon bureau le matin même. Maintenant, permettez-moi de vous dévoiler le nom du nouveau directeur de l'OSS. Grégory. Donagon Giggles. Gary et Gertie Giggles sont les agents dont nous avions besoin pour redynamiser l'OSS. Je suis heureux de leur remettre ces cartes d'agents secrets de niveau 1 pour leur courage. Quoi ? Désormais, ils pourront assumer de vraies missions et relever des défis comme la mission Yukata. Ouais ! Je la voulais, cette mission. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis fier de les compter parmi nous, car ils sont, et de loin, les meilleurs Spy Kids de notre réseau. Je sais pas, il y a un truc qui coince. Et je suis d'autant plus fier qu'il se trouve que ce sont... mes chers enfants. Là, ça coince. Raconte à nos Spy Kids. À nos Spy Kids. À nos Spy Kids. Thank you.